C'est une rencontre fructueuse. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa et les autorités de la minière de Bakwanga ont pris le soin de faire le tour d'horizon de différentes questions pouvant favoriser effectivement la relance de cette grande firme nationale. Des échanges qui ont permis de déceler d'abord des faiblesses et ensuite proposer des solutions à la fois durables et efficaces pour aboutir concrètement à la relance de cette entreprise étatique qui pourra bel et bien contribuer à l'émergence économique en République démocratique du Congo. Nous avons retrouvé une oreille très attentive et nous avons rencontré le ministre qui a une bonne lecture de la MIBA. Le ministre a promis de nous soutenir pour la relance de la MIBA, d'avoir une fourchette financière sur le plan de la relance que nous avons mise en œuvre afin qu'on trouve la solution. Nous sommes prêts pour le travail. Partout où vivent les hommes, il y a toujours des petits soucis. Si on peut vous dire dans une entreprise ou dans une famille, il n'y a pas de problème, je m'en doute. Mais une chose est vraie, nous avons dégagé tous les nuages. Le ministre nous a aidés et nous saluons d'ailleurs la démarche de nos députés, caucus de Carrière Orientale. Ils ont même balisé le terrain avant qu'on arrive ici. Donc effectivement, il n'y avait aucun problème. Il y avait un malentendu, mal interprété, surtout par vous les journalistes, qui exploitaient les choses d'une manière ou d'une autre. Cette fois-ci-là, je crois que vous n'aurez plus la matière. Nous avons terminé, le DG doit faire son travail, nous devons l'accompagner. Bientôt, il y aura des engins. La récréation est terminée. Nous devons nous mettre en ligne pour suivre la vision du chef de l'État. La MIBA, ce n'est pas n'importe quelle société. La relance, c'est le mot qui est sur toutes les langues, mais on ne sait pas ce que ça représente en réalité. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de dire au ministre ce qu'il y a comme problème pour arriver à cette relance. Et nous avons trouvé une bonne oreille, une oreille attentive, comme dit le PCA. Et nous pouvons nous réjouir. Nous remercions vraiment le ministre du Portefeuille. Toi, il était balayé aujourd'hui. Et ce qui nous importe, c'est la relance de la MIBA. Et le ministre est vraiment prêt à nous accompagner sur ça. Et nous sommes prêts aussi à réaliser notre promesse, notre apport, évidemment, avec certaines conditions, comme on a parlé au ministre, et qui est prêt à pouvoir traiter avec nous ces conditions-là. Et nous sommes vraiment très ravis. Après le passage du caucus des députés du Kassai Oriental qui ont balisé le chemin, le ministre d'État, ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a manifesté ouvertement son engagement à travers cette audience accordée aux autorités de la minière de Bakwanga à les accompagner pour ce processus. Déjà dans les tout prochains jours, les engins seront octroyés pour actionner les activités sur le terrain. C'est la masse.